Et salut à toi, jeune Padawan. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu recherches comment séparer tes pistes audio sur OBS Studio. Mais rien de plus simple. Un plugin qui te permet de le faire. De gérer tout manuellement, en seulement quelques clics. Pour ce faire, c'est très simple. Tu te rends sur le petit lien en description. WinCapture Audio V2.2.2-bêta. Tu descends à 7, tu télécharges le WinCapture Audio 2.2.2-bêta machin.exe. Une fois que tu l'as téléchargé, tu redémarres ton OBS Studio. Une fois ton OBS Studio redémarré, tu te rends dans tes paramètres OBS Audio. Tu désactives ton audio de bureau, sinon tous tes sons vont être enregistrés en plus de tes sources que tu vas créer. Donc ça va faire des petits problèmes. Tu appuies sur appliquer et tu fais OK. Maintenant, on va partir sur un enregistrement aux captures de sortie audio d'application. Tu le renommes. Par exemple, moi je veux séparer ma piste Spotify du reste. Donc Spotify et tu fais OK. Bon, moi je l'ai déjà préenregistré, donc j'ai juste à faire ça et ça. Une fois que tu auras fait ta piste, tu auras cette page-là qui va s'ouvrir. Tu fais capture audio session from selection of tes exécutables, donc c'est le premier. Tu vas dans Session en bas, tu cherches donc ton Spotify ou peu importe le type d'application que tu voudras utiliser par la suite. Donc moi on a dit Spotify et on n'oublie pas le petit add exécutable qui va te mettre l'exécutable dans la petite fenêtre. Tu fais OK. Et ensuite, tu lances Spotify. Et là il y a Spotify qui parle. Voilà, petite vidéo de 2 minutes 45, juste pour toi. Bonne soirée, ciao ciao!